Très content que le message que le grand imam de la ville de Garoua, il a souhaité quand même la paix, beaucoup de succès et que la paix règne au Cameroun. Hier, l'imam de la mosquée principale de Garoua a axé son serment
sur quatre points principaux, à savoir la paix et la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses, l'éducation des jeunes, le mariage. L'imam a prodigué des conseils aux chefs de famille, aux parents, de donner une bonne éducation à leurs enfants, des filles comme des garçons, et aux chefs de famille d'encadrer leur épouse et leur famille telles que recommandées par les enseignements de l'islam. Ce matin, nous venons, après 27 jours, 28 jours de jeûne, accomplir un grand acte qui marque le début de la fin du Ramadan, c'est-à-dire le 27e jour et le 28e jour, qui normalement sont consacrés à la grande prière de paix, à la grande prière de compréhension, à la grande prière de tolérance envers et à l'intérieur de toutes les communautés musulmanes qui, normalement, durant cette période, ont sacrifié de leur vie pour que l'accomplissement du bon Dieu soit toujours loué à la Mida de Garoua. Le message principal que j'assure à la population de Garoua, c'est un message de paix. Parce que l'islam, c'est un message de paix. L'islam, c'est une religion de paix. L'islam ne cultive que la paix. C'est une religion de foi. Voilà pourquoi j'adresse un message d'endurance, que les gens continuent à croire en Dieu unique, à croire aux autorités à qui Dieu a donné le pouvoir sur terre. Et ensuite, un message de conciliation et de tolérance entre les populations, entre les frères et les sœurs, de réconciliation entre tous les parents, entre toutes les communautés. Voilà le grand message que j'ai délivré ce matin à la communauté de Garoua, dans la mosquée principale de la ville de Garoua. Merci beaucoup. C'était la bonne fête à cette année.